Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce premier week-end de juillet, j'ai retrouvé la station d'altitude de Val Thorens pour participer à l'Ultra Cycling Vanoise. Une épreuve de 320 km et plus de 8000 de dénivelé autour de la Vanoise. Et pour profiter de ce séjour, j'ai pris résidence dans les lieux de Hameau du Kashmir qui est le partenaire de l'épreuve. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous faire découvrir les lieux du Hameau du Kashmir et bien naturellement l'épreuve Ultra Vanoise. On the shell, don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset. Visite des lieux des hameaux du Cachemire. Donc ce sont des beaux appartements premium en résidence. Équipé, il y a tout ce qu'il faut pour manger, très bien dormir et la vie qui va avec sur un alto. Avec Miguel, heureux dépanné, merci. C'est parti pour 315 bornes, c'est énorme. Merci à toi. Allez, pardon. Le premier de la journée, la manane. Ouais. Alors les sensations pour le moment? On a tiré, parfait pour le temps. Toujours au rendez-vous. On essaye. Oswa, c'est là où on sera dans quelques semaines pour la Transmarienne. Et on arrive à Bessant pour le ravitaillement. Et là, et les bénévoles, vous êtes bien, merci. Le col de l'Iseran, ce morceau national de la Vanoise. Un beau petit écrin de verdure, il fait frais. Et je dois vous donner là, ça commence à tirer un peu. On est à 4000 là, 800 de dénive. Il reste encore pas moins de 120 bornes. Nous y sommes. Bon morceau de fait. Col ditra, avant-dernier col, avant la montée de Valto. Je crois que je vais vraiment avoir du mal. On en est à 270, 10h30 de route et 6100 de dénivelé. Avec des bénévoles bien et généreux. Merci. Alors les amis, 286, 6200 de dénivelé. On attaque la montée de Valto sur Saint-Laurent-de-la-Côte. Allez, la dernière, on va être faire. Quand de l'arrivée, une S, ça tire. Je termine le coquet, il n'y a plus rien qui passe. Ouh, on y est les amis. Presque bientôt 500 mètres à la ligne d'arrivée. électrolytes. Donc pour ce faire, des pastillitas. L'avantage, c'est qu'on peut les amener sur le vélo et pouvoir compléter ces bidons au fil de l'eau. De l'énergie rapide, donc là on est plus sur des gourdes à la pulpe de fruits. Donc ça c'est ultimum, c'est vraiment cool. Le truc traditionnel qui marche vraiment bien, c'est la crème de marron. Ça, je vous le recommande vraiment. Enfin, des barres lipidiques, donc keto, donc ça c'est holy fat, donc ça permet vraiment de couper du sucré et ça passe vraiment très très bien et puis c'est vraiment gourmand. Des barres Isvari, donc là pareil, des super aliments, c'est vegan, c'est bio, c'est tout bon. Et enfin, des petites gommes énergétiques à mastiquer le long des montées, ça permet de garder une glycémie assez stable tout le long de la montée. Côté matériel maintenant, donc côté vélo, récemment, la semaine dernière, j'ai reçu les nouvelles roues Full Crome Speed 25 qui me sponsorise du coup depuis cette année. L'occasion de les tester sur ces pentes et j'ai vraiment pas été déçu du rendez-vous puisque elles sont vraiment de ce qu'on attend du point de vue de ce qu'ils annoncent, donc vraiment légères. Ultra réactive, confortable, précise au pilotage. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Donc très belle édition. Bravo à Florian et toute son équipe qui œuvrent pour que cette épreuve grandisse d'année en année face à des événements qui sont déjà largement bien installés. Mais voilà, elle n'a rien à envier à d'autres épreuves qu'on peut connaître comme la Marmotte ou le Tour des stations. Vraiment, il y a une belle prise en charge, un très bon repas à l'arrivée d'une belle croziflette, un lieu, comme je vous le citais, des Hameaux du Cachemire où on est vraiment très bien servi et vraiment au confort avec le spa, la piscine et tout ce qui va avec. Et le calme de la montagne surtout, hein. On est loin de la frénésie d'un bourdoisant de la vallée. On est quand même bien situé sur cette épreuve. Donc merci Florian, merci à tous vos commentaires me félicitant, donc ça fait vraiment toujours très plaisir. En tout cas voilà, extrêmement satisfait de cette course, de ce week-end. Et puis les prochaines G-séances vont se traduire le week-end prochain directement sur un nouveau cross triathlon. La Transmorienne VTT donc, qui aura lieu à Oswa, donc une course à étapes à VTT de 5 jours et qui suivra par un petit week-end de stage à Tigne dans le groupe montagnec, donc Otaos, et que je partagerai ça avec Jade. Et pour terminer, le week-end, ça va être assez dense, ce sera le Xterra longue distance à super baisse. Donc j'espère que j'aurai encore les cannes. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous mets le lien en description de l'épreuve et de mon article. Et sur ce, passez une excellente fin de journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.